Booker, est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. Dis-moi, tu vas rester planté là ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse ? Danser, non ! Que tu rames. Ramer ? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout ? Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Mon idée ? J'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi ? Ramer ? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas. Hein ? Je vois ce que tu veux dire. Nous y sommes. Il ne bouge pas. Il va bouger. Tu vas voir. Tu dois avoir raison. On doit lui dire quand on reviendra. Quelle différence après ? Ça le rassurera peut-être. Hey, y a quelqu'un qui m'attend ici ? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Excusez-moi, je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. Ça a l'air sympa. Y'a quelqu'un là-dedans ? Eh oh ! Behold, I...
Mais attends, cette carte. Je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Bon, et maintenant... Mais qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non. 3, 2, 1. Non! Attention. Nous sommes à 5 000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. La progéniture du prophète. Excusez-moi, je suis où? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. «
Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee plutôt que de s'insurger... C'est à nouveau ! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville ? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère ? Écoutez, je veux juste passer. Hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre au sein de Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille, et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite! Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Notre prophète remplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Toi qui franchis le Delaware, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Ce n'existe pas. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. Entre 9h et 11h. Bonjour. Bonjour. Un jour parfait pour les festivités. Un reportage complet sur les festivités du jour. Retrouvez des hot dogs pour les hommes, des cocktails pour les femmes et des jeux pour tous les âges. Un scout de la liberté n'aime pas. Jamais d'artiste, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Je lui ai dit, le parc est incroyablement en retard. Les jardins sont en chantier. Le sanctuaire n'est pas là. La fontaine... Salton Stall est pas si mal, moi, je dis. Tu sais, j'ai cru remarquer la trace d'un léger accent chez notre serveur. Désolé, va falloir attendre, comme tout le monde. Mais
Bonne chance pour la tombola. Grande fête et tombola de Columbia. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Sans nuages. Bonjour. Plutôt chaud, avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à la musique. Monsieur, voulez-vous une fleur? Nous menons une campagne pour la Ligue patriotique des jeunes filles. Une prochaine fois. Ça irait très bien à votre revers. Revenez me voir si vous changez d'avis. Un homme se plonge dans les eaux du baptême. C'est un autre qui en ressort, qui en renaît. Mais qui est cet homme? Celui qui reste immergé. Ce baigneur est peut-être bien à la fois un pécheur et un saint, jusqu'à ce qu'il soit révélé aux yeux des hommes. Monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Bonjour, l'ami. Qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques? Vous voulez bien me laisser passer, dites? Ah, désolé, la rue est barrée. Ils préparent les feux d'artifice pour ce soir, là-bas. Il y a assez d'explosifs, là-bas, pour faire sauter tout Pékin. Une fois de plus. Un barrage. Je vais devoir trouver un autre chemin. À monsieur Jeremiah Fink de partager ces merveilles avec vous. Loué soit notre prophète et loué soit notre belle ville. Si je vous disais qu'un homme peut lancer des éclairs du bout des doigts, me croiriez-vous? Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croiriez-vous? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billevesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs, non, mesdames, je vous parle là des toniques.
proposé en exclusivité par Monsieur Jeremiah Fink. Qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques? Une gorgée et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste, qu'il est bon et qu'il a demandé personnellement à Monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre prophète et loué soit notre belle ville. Si je vous disais qu'un homme peut lancer approchez des éclairs... messieurs, dames, venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Et en avez-vous la trempe? Et voilà le premier démon. Démon numéro 2. Quel talent! Et le 3. Voici notre vainqueur. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, retourner ou projeter les obstacles, la déferlante est là. Si je vous dis c'est qu'un... Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Mais en avez-vous la trempe? Et voilà le premier démon. Démon numéro 2. Quel talent! Et le 3. Voici notre vainqueur. Qu'est-ce que j'ai dit, l'ami? Un lot par personne. Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se balader sur l'aérotram. L'aérotram de Columbia. Et ces petits malades. La Vox Populi sème le trouble dans nos rues. Qui va les arrêter? Hé, hey, vous, vous baignez le... J'essaie. Voici un courageux. Tirez sur la Vox Populi quand elle apparaît. Marquez assez de points pour gagner un lot. Je rajoute un bonus si vous touchez ces perdu de l'argent dans un distributeur. Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié? Alors, il est temps de reprendre le contrôle aux machines. Avec Possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous. Mmh.
Press to turn machines into allies. Qu'est-ce que c'était que ça? Voilà notre gros député Bumford. On vous attend à la tombola. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Pile. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. On raconte que les machines du père Franklin vont bientôt reprendre du service. Regarde, il a l'air perdu. Moi, il m'a l'air très bien. Mon modèle? Mais Madame Comstock. D'où tu sors ce truc? Ce petit bijou? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe? Ah, j'aimerais bien cogner sur la Vox Populi. Madame Lutèce, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Qu'est-ce Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Désolé, la rue est barrée. Monsieur, vous ne voulez pas une balle? Mais qu'est-ce qu'elle me veut?
sait. Elle me fera peut-être entrer à Monument Island. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77 ? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol ! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia ? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77 ! Eh ben, quelle surprise ! Numéro 77 ! Votre prix vous attend ! La première balle ! Pitié ! Pitié, de quoi c'était ça ? Pitié ! Non ! Pitié, qu'est-ce que vous faites ? Alors, pitié. Vous la lancez ? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir ? Pitié, c'est moi ! Oh, mais c'est qu'on a un petit timide ! Il va falloir faire quelque chose. Allez-y. J'ai un gros... Ne t'en passe, mon garçon. Que salopard. Attendez. Le voilà. Alors c'est quoi cette marque, Bobby? Vous ne savez pas que ça vous désire? Comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non. Arrêtez-le ! Le faux berger, il veut détourner notre agneau ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Allez, vite ! Coupez le passage ! Vite ! Déclare la tombola de 1912 officiellement ouverte ! Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77 ? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol ! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia ? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77 ! Eh ben, quelle surprise ! Numéro 77 ! Votre prix vous attend ! La première balle ! Pitié ! Pitié, de quoi c'était ça ? Pitié ! Non ! Pitié, qu'est-ce que vous faites ? Alors, pitié. Vous la lancez ? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir ? Timide. Il va falloir faire quelque chose. Allez-y. Le temps presse, mon garçon. Et si vous lanciez la balle? Je refuse. Attendez. De lancer. Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non. Arrêtez-le. Le faux berger, il veut détourner notre agneau. Coupez le passage, vite. Ah!
Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Non, en effet. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous étions déjà là. Et vous, pourquoi nous suivez-vous? Je... Un apéritif.
aventure est suffisamment difficile sans perdre vos amis. Ni vos munitions. Bien. Ça. Surprenant. Surprenant que ça fonctionne. Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Si déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi. Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui dis, mon père, vos ouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu, 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il va changer de disque. Ça peut durer toute la journée. Et si je m'accrochais avec ce gratte-ciel? Oh! Hey! Ce truc doit être aimanté! Cherchez. Halt!
achevé. Je ne suis pas comme eux. Je suis progressiste, moi. Inévitable. Oh oh, c'est lui, le type qu'ils poursuivent. Filez, ils vous cherchent partout. Police, nous avons besoin de votre aide. Ils sont là. Chut, ne parle pas si fort.